Welcome to our new street talk show, Hello Europe. We think that when we talk about Europe, often it's very political. We talk about the financial crises, we talk about the refugee problem, we talk about trade deals. What's missing from all of these sometimes is the people. We don't talk about the thing that makes Europe such an amazing and interesting place to live. And so today our goal is to try to talk to people that make Europe and try to understand their lives. And the theme for today, est-ce que tu aimes le goût de la bière ou pas du tout? Non, pas du tout. Is beer. I'm with Tom here. We just met at La République. Alors, toi, est-ce que tu es parisien? Oui, je suis parisien, enfin, d'adoption, parce que je suis pas né à Paris en fait. Donc, question simple, est-ce que tu bois de la bière? Oui. Ok. Effectivement. La bière, je pense que c'est plutôt... Un outil de sociabilisation. Ok. Voilà. Ça qui est intéressant, c'est que tout le monde la boit dans les bars, ouais. Tout le monde devient un peu ivre, tu vois, ouais. Et tout le monde communique, voilà. Donc je pense que c'est là-dedans que la bière est intéressante. When I first came to Paris, I could not imagine coming to a bar where you could find 15 beers on tap, and here we are, Hoppy Corner. How many beers on tap do you have? Only 15. I mean 15. We got this idea that beer culture is not very common in Paris. No. And yet we see all these new beer places opening up. You know, we talked to someone earlier and he said that, you know, for him, beer is when he goes out with friends and wine is with food, right? But yeah. I think that's changing. Do you think that? That's changing, but not that much. I mean, there is like several people doing that. We try to do some pairing, but people are interesting, but don't have the reflex. I mean, they don't expect beer to go with food. And when we do some pairing, they are always impressed. Yeah. But that's not usual. When they come here, they just take cheese and ham and after some beer too. Just like stuff to eat on the side. Yeah, exactly. Laurent doesn't know beer very well. No, I don't. I like beer, but I'm not a big connoisseur. All right. So do you think we can find her something to drink? Yeah, of course, yeah. So I'm wondering, when people come to Hoppy Corner, are these people who know their beer, or is it like people just come in just for a drink? No, usually there is a lot of different customers. You will have more like people coming in. Oh, there is craft beer. Oh, I know one. What do you have like that or what? I got an espresso beer from Japan. Would you? Yes, please. Okay. When you think of beer in Europe, like I think of Germany, I think of Belgium. Oh, it's great. It's really great. It's like when I go somewhere with craft breweries. I mean, when I say that I'm working with them in Paris, it's like family. In Germany, it started a little bit more slower because of the, you know, the law about the Reinheitsgebot. Yeah. I could never say that word. I know German. I speak a little bit, but that's one. That one I can't have it. But it's starting to switch. The idea of craft breweries, it's brand new, and since like 4 years, Germany. I'm really impressed. Right, because there was always this complaint that okay, Germany and Belgium had traditional beer, right? Yeah. You had the Trappist and like you know that tradition of beer, and in Germany you have like I said the Reinheitsgebot beer, and sort of it wasn't as easy to get sort of IPAs, a lot of creativity. But in Paris, we're seeing all sorts of like there's the trois terres. No, the trois terres is by the brasserie de la goutte d'or. Right. Yeah. So stuff like this. So there's a lot of creativity. Now there is brand new brewery like Bruxelles Beer Project or brasserie de la seine. Oh, those guys are crazy. They make oyster beer. I like them. Really they're great. That. Yeah. They're great, and they're bringing with old bread or everything like that. They're doing dry hopping when you add some hops when that's cold and everything. And so they are thinking over. The Belgian market, and I think they find their way because it's different than American beer, but it's new as well. So it's craft. So I think it's working pretty well. But just so people know, where is your bar? What's it called, and where is it? Hoppy Corner, and that's in Paris, and the second area in Sentier. We're now at La Fine Mousse, which, you know, if you talk to anyone who likes beer in Paris, they're going to mention the La Fine Mousse. So we've just run into Bill from Silicon Valley. Hello, Bill. Hello. Right. So what was really interesting is that you, it's been a few days that since you've been in Paris, and you somehow managed to find La Fine Mousse. How? Right. Well, it wasn't that hard, to be honest. Okay. So you have to. So if you like microbrews, right? What do you do when you get to a town? You Google. You Google what? Yeah. Right. And I remember seeing the name, but not checking out where it was on a map. And I was just walking down the street, you know, block over. Yeah. Had a long walk all day today. There's a lot of walking in Paris. Right. And I just kind of saw this little side street area, and I said, there's got to be something down there. And when I walked by, I almost walked by the place, I look up and I recognize the name. I go, wait, this is the microbrew place. And I look in, I see they've got a whole bunch of taps. So I went, wow, how did I don't know how I found it, but. And the cameraman's very happy because he now has his beer as well. You can't see him, but he's very, very happy. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Laurent. Ok, Laurent. De La Fine Mousse. Et en fait, il faut que je te dise que la première fois que je suis venu à La Fine Mousse, c'était un pote, il venait d'Amsterdam et il a pris le train juste pour venir à La Fine Mousse. Il était un gros fan de La Fine Mousse et de la bière. C'est comme ça, pour moi, c'était mythique, enfin, avant que je suis venu ici. Donc, ça fait combien de temps que c'est ouvert en fait? Donc, le bar a 4 ans, le restaurant 2 ans et demi. Ok, le restaurant qui est juste derrière. Il est juste en face. J'imagine depuis que c'est ouvert, la beer scene à Paris a changé. A complètement changé. Nous, on est arrivé à un moment où il y avait déjà quelques caves à bière qui ont fait un excellent boulot. Il y en avait 4 vraies caves à bière. Oui. Et elles ont fait vraiment un beau boulot sur l'éducation des gens, quoi. Oui. Donc, alors, tu sais ce que tu bois là? Alors oui, là je bois une bière qui s'appelle Automne Mosaïque. Quand on vient à La Fine Mousse, on voit qu'en fait on essaye de faire un pairing, genre un plat avec des fromages avec la bière. Et ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Donc effectivement, déjà sur le côté accord mets et bière, donc nous on a ouvert le restaurant dans le but de montrer que la bière est un produit noble, un produit fin. Okay. Qu'effectivement il mérite sa place sur une bonne table. Alors nous en fait on est des étudiants à l'Institut Paul Bocuse, donc, à Lyon. À Lyon, voilà. Okay. Et on a un cours de F&B Management où on ne sait pas ce que c'est. Alors F&B Management c'est comprendre comment manager tout ce qui est food and beverage. Ok, food and beverage. Okay. Voilà, donc la restauration en règle générale. Okay. Et le principe de notre devoir de fin de semestre, c'est de présenter un concept un peu du jamais vu et très intéressant. Original. Voilà, original. Enfin, on étudie un concept de restauration et qu'effectivement on est tombé sur le concept de Laurent, qui est enfin, le concept de Laurent et de ses camarades d'allier les mets et la bière. Mais la bière. Chose qui est quand même assez improbable, on va dire, en France. Okay. Donc on fait plutôt des accords mets et vins et on s'est intéressé à ça à cause de ça. Il y a vraiment très peu de restaurants dans le monde qui font le travail qu'on fait sur une cuisine de ce niveau. Il y a beaucoup d'événements qui se créent partout par contre, où il y a des accords mets et bières, et ça c'est génial. C'est vrai? Il y en a pas mal, ouais. Okay. Dans le Nord, il y en a pas mal en Belgique, il y en a un peu partout, quoi. Qu'on voyage. Après, sur votre question de est-ce que la bière doit être snob un peu, c'est en fait, snob ça. En que gros, le vin. En gros, c'est ça. Ouais. Nous, on est contre ça. Okay. L'idée, c'est que c'est un produit qui reste convivial. On veut que les gens le partagent. Un produit qui reste peu cher. Alors forcément, une bière artisanale, c'est un peu plus cher qu'une bière industrielle. Forcément. Mais vraiment prendre son pied sur une très bonne bière artisanale, ça reste abordable. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, on peut aller dans n'importe quel bar et trouver des bières françaises ou des bières craft? Alors malheureusement, actuellement, quand on rentre dans un bar lambda, il y a toujours de la bière industrielle. Il faut quand même un peu chercher pour trouver des bières différentes. Mais le but vraiment de toute notre communauté, c'est de promouvoir ces produits et qu'on les retrouve très facilement partout. Donc est-ce que tu as un lien personnel? Est-ce que tu connais des gens en Europe? Alors ce qui est génial avec la bière craft, c'est l'esprit de communauté. Okay. Donc on a une forte communauté à Paris entre les gens de bière craft. Ouais. Et on a cette chance que pour l'instant on est encore assez réduite, donc on se connaît vraiment bien tous. mais il y a aussi une communauté internationale. Okay. Et on se retrouve régulièrement avec des brasseurs ou des gens qui travaillent dans la bière artisanale sur des festivals. Ou alors on va les visiter, on va dans une ville, on va dire bonjour, on dit ah mais je suis de La Fine Mousse, je suis de telle brasserie. Et ça crée des liens. Et c'est ça qui est assez passionnant dans la bière artisanale. Ce qui est assez génial en France, c'est qu'il y a la notion de terroir que j'ai découvert. Je trouve que c'est une approche qui est très propre à ce pays. Et même quand on parle du vin, américain, on n'a pas ça en fait. On n'a pas cette notion de terroir. Et dans ce que vous dites, en fait, je vois un peu le French touch. En France, beaucoup de gens qui aiment les produits de leur région et de leur terroir, et des acteurs régionaux qui sont là pour promouvoir leurs produits régionaux. Et c'est ça qui fait que chaque terroir est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont amoureux de leur terre, amoureux de leurs produits, de leurs bêtes, de la manière dont ils cultivent la terre, et qui veulent en faire quelque chose d'unique et d'excellent. Et c'est ça qui fait que je pense que peut-être en France, on est plus un pays de terroir. Après tout, tout ce qui pousse dans le sol se nourrit du sol. Donc ça, c'est beau. Je pense qu'il ne tient qu'à un brasseur un jour de faire une bière de terroir. Je pense qu'ils le font déjà en Alsace et dans le nord, hein, de la France, en Flandre. Et il ne tient qu'à certains brasseurs du centre de la France, en Bretagne, ou n'importe où pousse. De faire une pub terroir. Et pourquoi pas créer un logo terroir comme il peut y avoir dans le vin, des appellations. Okay. En fait, vous pensez déjà au niveau, aussi pour le marketing, on met au sens pour... connaître. Oui, voilà. Okay. Mais un marketing terroir. Oui. Moi, j'aime pas la bière. Oui, c'est le seul endroit qui m'a fait aimer la bière. Donc, je me suis dit, si on veut faire quelque chose sur la bière, il faut venir ici.